Quelqu'un dit Amen. Voilà, nous rendons grâce au Père dans le nom de Jésus le Christ. Dieu est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Vendredi, nous étions là donc avant-hier encore et Dieu a encore fait grâce, Dieu a encore guéri, libéré, restauré les vies de plusieurs d'entre nous et nous sommes reconnaissants. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus pour les œuvres qu'il a accomplies? Des centaines et des centaines de cas de guérison, de libération, nous sommes reconnaissants. C'est Dieu qui fait ces choses. Est-ce que tu es en train d'apprécier Dieu? Est-ce que tu es en train d'acclamer les œuvres de Dieu? Quelqu'un dit Amen. Une des raisons pour laquelle on dit qu'il faut acclamer, asseyez-vous, c'est parce que même si toi tu n'as pas été guéri, quelqu'un a été guéri. Quelqu'un a été libéré. Quelqu'un maintenant aura un nouveau témoignage. Quelqu'un pourra dormir tranquillement. Une des raisons pour laquelle Jésus guérissait tout le temps les maladies, vous savez pourquoi? C'est parce que tu sais, tu as beau avoir tout l'argent du monde que tu veux, quand tu es malade et tu es bien malade, l'argent ne peut pas t'aider. Quand tu as payé, tu as dépensé, ça ne passe toujours pas, tu vas faire quoi? Voilà pourquoi quand Dieu veut faire du bien aux hommes, il s'attaque d'abord à la maladie. Parce qu'il sait que la maladie, c'est vraiment un des moyens par lesquels Satan tourmente les humains. Quelqu'un me suit, dit Amen. Donc quand l'autre a été guéri, ce n'est pas ton cas peut-être, bénis Dieu. Parce que peut-être que tu as des choses que toi-même tu ne sais pas. Et quand tu apprends à apprécier ce que Dieu a fait dans la vie des autres, Dieu fera la même chose pour toi. Parce qu'un jour, tu seras peut-être malade. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Moi, je ne suis pas malade. Mon corps peut être souffrant, mais je ne suis jamais malade. Amen. Jamais. Amen. Jésus a pris mes maladies, mes infirmités. Amen. Le corps peut être souffrant, mais je ne suis jamais malade. Il faut comprendre la parole de Dieu. Donc, nous sommes reconnaissants pour ce que le Seigneur a fait. Nous sommes vraiment, vraiment reconnaissants. Que de témoignages merveilleux, que de grâces merveilleuses. Et celui qui le fait, c'est le glorieux Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bon, bienvenue ce matin à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à ICC. Encore plus que quelques mois et nous allons bientôt partir d'ici. Amen. Je suis le premier à soupirer. Je suis le premier à soupirer. D'ailleurs, plus ça avance, plus j'en peux plus. Donc, il faut prier pour moi que je tienne encore. Vraiment, nous sommes reconnaissants. Dieu est en train de faire de bonnes choses. Non, pas beaucoup de temps, nous voulons partager la parole de Dieu, nous voulons prendre la nourriture que le Seigneur nous donne, dit Amen. Amen. Nous parlons depuis quelque temps, nous avons parlé la semaine dernière, je ne vais pas faire de rappel aujourd'hui, pour ce premier culte du moins, mais nous sommes en train de parler vraiment d'un thème qui est très important. Les amis, quand on parle de la résurrection de Jésus-Christ, tu dois vivre la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Quand on dit que Jésus est ressuscité des morts, tu dois vivre ce Jésus qui est ressuscité des morts. Amen. Quand on dit qu'il a fait de toi un enfant de Dieu, tu dois vivre ton statut d'enfant de Dieu. Quand on dit qu'il a fait de toi un héritier, tu dois vivre ton statut d'héritier. Quand on dit que tu as un héritage, tu dois posséder ton héritage. Tu dois posséder ton héritage. Mais je vous le dis encore de tout mon cœur. Quand plus on prie pour les âmes, je prie pour les gens et je vois à quel point parfois les gens se laissent distraire par le diable. Si tu n'es pas quelqu'un de déterminé à t'opposer au diable, Satan va t'avoir. Il va t'avoir alors que logiquement, juridiquement parlant, Dieu a déjà tout réglé pour toi. Mais c'est la faiblesse, la mollesse de ta foi, la mollesse, la timidité de ta foi qui fait que Satan ait l'avantage sur toi. Ne laisse jamais l'ennemi est méchant. Il est extrêmement mauvais, méchant, impitoyable. Le diable, les démons ne connaissent pas la pitié. Ils ne connaissent pas la calmie. Ils ne connaissent pas la négociation. Ils ne comprennent que le langage de la brutalité, de l'autorité, de la force. Quand tu te retrouves en face d'un ennemi démoniaque, ne pense pas qu'il aura pitié de toi. Mon frère, apprends à être déterminé. Quand tu vois que ton corps est tourmenté par la maladie, ne te laisse pas distraire. Engage la force avec détermination. Conteste-le. Vraiment. Quand on parle d'engager la force, c'est vraiment d'engager la force. Je n'utilise pas ce mot force par hasard. L'Esprit dit engage la force. Sois déterminé, sois un conquérant. Trop de gens sont en train d'être molestés, affaiblis par le diable et tu laisses l'ennemi faire. Comment? Alors que quelqu'un a payé le prix pour que tu ne sois plus jamais une victime mais un vainqueur. Plus jamais victime mais vainqueur dans la vie. Et ça c'est ton histoire. C'est celui qui a payé le prix s'appelle Jésus le Christ. Il a payé pour toi. Et toi tu laisses l'ennemi... Bon,
En tout cas, allons seulement un peu, un peu. La finalité, mon frère, si d'ici la fin de l'année, tu n'es pas un révolutionnaire de la foi, je ne dis pas qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, mais il y aura encore de l'espoir. Non. Assez, c'est assez. Pendant longtemps, tu as subi, maintenant, c'est assez. Et pour prendre ton héritage, pour vivre la vie à laquelle tu aspires à vivre, il faut engager la force. Et on est en train de parler actuellement de la force de la foi. On parle de la force de la foi. On ne parle pas de foi catholique. Laissez-moi ces bêtises-là. Foi protestante, foi église de réveil, ça ne veut rien dire. Dieu n'a qu'un seul type de foi, c'est sa foi à lui. On parle de la foi de Dieu. Quand Jésus a dit dans Marc chapitre 11, au verset 22, « Ayez la foi de Dieu. » C'est la foi que toi, tu as déjà reçue quand tu es né de nouveau. On a vu la semaine dernière que si tu es né de nouveau, tu as déjà la foi de Dieu. Dis avec moi, j'ai la foi de Dieu. Ne prie pas pour avoir la foi de Dieu. Tu l'as déjà reçue si tu es né de nouveau. Romains 12, verset 3, nous dit que nous avons tous reçu une mesure de foi. Celui qui est né de nouveau a reçu ce qu'on appelle la mesure de foi. Dis avec moi, j'ai reçu la mesure de foi de Dieu. Tu l'as déjà reçu. Tu ne vas pas le recevoir, tu l'as déjà reçu. Si c'est à toi que je parle, donne amen. Amen. Tu as la foi de Dieu déjà, mais tu as été donné dans une petite mesure. Tout comme quand tu es né, tu n'es pas né grand, tu n'es pas né géant, tu es né bébé. Dieu, tout ce qu'il fait commence par le commencement. Nous tous, nous sommes nés bébés. Et on grandit ensuite. Ta foi t'a été donnée dans une petite mesure. Et elle doit maintenant grandir. La foi par laquelle tu es né de nouveau, Éphésiens 2, verset 8 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de toi, c'est un don de Dieu. La foi que tu as eue pour être sauvé, c'est un don de Dieu. Il faut être reconnaissant pour le don d'être sauvé. C'est une grâce que d'être né dans le royaume de Dieu. Oh, quelqu'un dit amen. Amen. Quelle grâce que d'être sauvé. Mais si je suis sauvé, Dieu m'a fait un don, le don de croire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu le don de croire? Amen. Beaucoup ne l'ont pas. Ils ont beau entendre l'évangile tous les jours. Il y en a même qui vont dans les conférences tous les jours. Mais ils n'ont jamais cru. Ce sont des participants aux assemblées chrétiennes. Ils viennent dans nos églises, mais ils ne donnent jamais leur cœur à Christ. Ils ne se livrent jamais totalement au Seigneur. Ils décident jamais de faire de Jésus leur Seigneur et leur Sauveur pour l'éternité. Mais ils sont là, ils disent amen, mais ils ne sont pas sauvés. Leur cœur n'a pas dit oui. Leur bouche dit oui, mais le cœur n'a pas dit oui. On est sauvé quand pas la bouche a dit oui, mais quand le cœur dit oui. Si quelqu'un me suit, dit amen. Amen. Fais attention, même quand les gens te parlent, il faut savoir discerner quand ils te parlent avec la bouche ou avec le cœur. Quand tu dis « je t'aime », tu sais que parfois il ment. Quelqu'un dit « Amen ». Dieu nous a donné la foi. On a déjà cette mesure de foi. Et maintenant, elle doit grandir. Ta foi doit grandir. Voilà pourquoi on a vu la semaine dernière. À chaque fois, Jésus recadre ou Jésus félicite les hommes en fonction de ce qu'on appelle le niveau de foi. Petite foi, homme de peu de foi, grande foi, petite foi. Et on va voir que Jésus lui opérait dans une classe, dans un niveau de foi qu'on appelle une grande foi. Et même, on va voir l'esprit de foi. C'est ce que Dieu va nous donner. Quelqu'un dit amen. Quand tu dis amen, là, c'est pour toi-même que tu es en train de dire amen. Dieu va te donner un esprit de foi. Une grande foi. Mais nous avons vu que donc, ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre de développer ta foi. De la même manière que c'est ta responsabilité de développer ton corps. Ton père, ta mère ne peut pas développer ton corps. Il peut te donner à manger, mais c'est à toi de développer ton corps. Par la qualité des exercices et des repas que tu prends, tu développes ton corps. De la même manière, c'est ta responsabilité, pas celle du pasteur, pas celle de Dieu, mais la tienne, de développer ta foi. Comment? En la nourrissant et en l'exerçant. Et amen, je continue. Amen. Tu peux donc augmenter ton niveau de foi. Et le drame dans l'église, c'est que les gens n'ont pas augmenté leur niveau de foi. Ils sont restés avec la mesure petite de foi.
Oui, Dieu nous a donné une petite mesure, mais il veut qu'elle grandisse. Voilà qu'il a dit que votre foi doit faire des progrès. Votre foi doit être célèbre, votre foi doit être connue. Il y a quelqu'un ici, je te dis qu'on parlera de ta foi. Ah ouais. Parce qu'elle va monter. Et en fonction des épreuves, elle va se manifester. Elle va s'exercer. On va voir la foi. C'est toujours dans les circonstances de la vie qu'on exerce la foi. La foi ne s'exerce pas quand tu es dans ta chambre, tout seul en train de ronfler. Ce n'est pas vrai. L'ennemi vient, tu engages la foi. Les problèmes viennent, tu engages la foi. Les circonstances se présentent, tu réagis par la foi. Tu parles par la foi. C'est là qu'on voit la foi. La foi n'est pas un truc qu'on met dans une boîte et puis on garde. Non! On l'exerce au quotidien. Du matin jusqu'au soir, le juste vivra par la foi. Il parlera par la foi. Il réagira par la foi. Il agira par la foi. Quelqu'un dit amen. La foi, c'est pistis, c'est-à-dire la confiance, l'assurance. Mais dans quoi? Dans la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, je m'attache à cela. Pas ce que les hommes ont dit, mais ce que Dieu a dit, je m'y attache. C'est ça la foi. Je mets ma totale confiance, mon assurance inébranlable. Dieu veut t'emmener à un niveau de confiance inébranlable en sa parole. Quand l'esprit va te dire quelque chose, quelque chose que le monde va dire, le diable va dire, tu as dit, Dieu a dit, je me moque du reste, je m'attache à ce que Dieu a dit. Et là, Dieu dit, mon fils, c'est ça même. Tu me fais confiance. La pistis, c'est la confiance, la ferme assurance. On s'attache à ce que Dieu a dit. Pas aux hommes, non, à Dieu. Pas au système, à Dieu. Quelqu'un dit amen et je continue. La foi, ce que Dieu a dit, devient pour moi ma seule référence. Ce que Dieu a dit devient ma réalité. Ce que Dieu a dit, le reste ne compte pas. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours simple, non. Parce que souvent ce que Dieu dit est contraire au bon sens. Souvent ce que Dieu dit n'a aucun sens, mais il a dit, avance seulement. Il a dit à Moïse, avance. Il dit, mais la mer là, elle est fermée, il dit, avance. Mais comment on va avancer? Les Égyptiens sont en train de venir derrière. Tout le monde est en train de crier, on va mourir. La mer est devant. Dieu dit à Moïse, Moïse, avance. Il dit, tu vas avancer où il y a l'eau? Il dit, avance. Tu as bien? Les instructions de Dieu, des fois, sont absurdes. Comment veux-tu avancer là où il y a la mer? Tu as 3 millions de personnes derrière toi qui sont en train de pleurer. Ah, on va mourir. Dieu te dit, avance. Mais la mer est devant, on va avancer où? On va tous noyer. Il dit, avance. Et puis quand Moïse dit, bon, j'avance. Maintenant, il dit l'instruction suivante. Il dit, Moïse, prends ton bâton, lève-le et divise la mer. Il dit quoi? Avec mon bâton, je vais diviser la mer. La Bible dit, Moïse leva le bâton. Mer, divise-toi. La Bible dit que les flots, un vent de l'est de l'Éternel. Un vent divise un côté, côté gauche, côté droit. Les vagues ont été retenues. Moïse a traversé. Nous, on lit aujourd'hui, on dit amen, amen, amen. Mais mon ami, ceux qui étaient devant la circonstance, Moïse a dû agir par la foi. Ça n'avait aucun sens ce que Dieu lui disait. Il dit, mais puisque tu as dit, alors j'avance. Et c'est quand il a avancé que la mer a commencé à s'ouvrir. Les instructions de Dieu, des fois, paraissent difficiles, absurdes. C'est ça la foi. Si quelqu'un me suit, dis amen. On obéit, on ne comprend pas, on obéit. C'est comme ça que la foi grandit. La foi grandit que lorsqu'elle est exercée. Tous les muscles de ton corps ne se développent que lorsqu'ils s'exercent. Quand tu n'exerces pas un muscle, il devient mou. Voilà pourquoi on demande constamment de faire de l'exercice. Quelqu'un dit amen et je continue. Alors ce matin, je voudrais voir brièvement les caractéristiques de la foi, mais de la foi qui est petite. C'est-à-dire celle malheureusement avec laquelle la plupart des gens opèrent. Avec la petite foi, on peut déjà faire des choses, c'est vrai. Mais on ne doit pas opérer dans une foi qui est petite. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu opères dans la foi qui est petite, avec une petite foi. Non. Et la plupart, tu vas te rendre compte, opèrent, travaillent, vivent avec une foi qui est tellement petite. Tellement petite. Et Dieu, c'est pas que Dieu n'aime pas. Tu as donné la foi, mais tu dois ressembler à Christ. Toi, tu vas ressembler à Jésus-Christ. Petit à petit, tu vas apprendre à ressembler à Christ. Nous allons tous apprendre à marcher sur les traces de Christ. Tel il est, tel nous sommes. Tel fils, tel père. Tu dois apprendre à travailler dans la foi de ton père. Ton père céleste est un homme de foi. Un Dieu de foi produit des enfants de foi. Et là, il parle de toi. Dis amen. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie,
de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Verset 27. D'ailleurs, qui de vous, à force d'inquiétude, peut prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Je répète, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui s'inquiète, qui augmente d'une heure sa vie? Jamais. Est-ce que l'inquiétude a déjà amélioré la vie de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un qui se fait des soucis à longueur de journée peut changer de vie? Jamais. Écoute ce que Dieu dit. L'inquiétude n'a jamais rendu la vie de quelqu'un meilleure. Je parle à quelqu'un, dit amen. L'inquiétude n'a jamais... Donnez-moi le retour, le son, le retour, parce que je dois beaucoup crier, ce n'est pas bon du tout. L'inquiétude n'a jamais amélioré la vie de quelqu'un. Donc, je parle à toi là qui est régulièrement inquiet. Et tu t'inquiètes pourquoi? On est en train de le voir. Pour les besoins de base, pour la nourriture. Tu t'inquiètes pour ton corps, pour tes vêtements. Déjà, Jésus dit, personne n'a jamais rendu sa vie meilleure par l'inquiétude. Il dit, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire quoi? Écoute mon frère, Dieu ne peut pas te dire, si tu es noir, sois blanc. Faux. Il ne peut pas te demander de faire ce que tu ne peux pas faire. Mais si Dieu dit, lève-toi, ça veut dire qu'il sait que tu peux te lever. Assieds-toi. Tu dis, j'arrive pas. Si il t'a dit, assieds-toi là, ça veut dire qu'il t'a déjà donné la capacité de t'asseoir. Non. Si Dieu t'a dit, assieds-toi, tu dis, j'arrive pas à m'asseoir, j'ai mal. Il vient de te donner la capacité de t'asseoir. Quand Dieu dit, lève-toi à un infirme, il vient de donner à l'infirme la capacité de se lever. À l'infirme, maintenant, de dire, je me lève, il va être guéri. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu ne dit pas quelque chose juste pour dire. Quand Dieu dit une chose, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Si tu me suis, dis amen. Amen. Donc, quand Dieu dit, ne vous inquiétez pas, il t'a donné la capacité de refuser de t'inquiéter. Si, sinon, il va te dire, je comprends que tu t'inquiètes. Non, il n'a pas dit ça. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ça veut dire, refusez de vous inquiéter pour votre vie. C'est la même chose. Refuse de t'inquiéter pour ta vie. Il sait qu'il y a des soucis. Il sait qu'il y a un problème de manger. Dis, continue seulement. Qui de vous, à force d'inquiétude, peut prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Alors, il commence à prendre, comme vous disiez, le contexte, il prend l'exemple des oiseaux. Et puis après, il prend l'exemple des lits des champs ou encore des fleurs des champs. Verset 30, il le dit. Si Dieu, au verset 26, il parle, il dit, si Dieu, regardez les oiseaux du ciel, ils volent. Il dit, ils ne sèment ni ne moissonnent, les oiseaux. Dis avec moi les oiseaux. Les oiseaux, dis avec moi les oiseaux. Vous les voyez partout, les oiseaux, partout. Ils ne s'occupent pas de semer, ils ne s'occupent pas de récolter. Mais il dit, voici, votre Père nourrit les oiseaux tous les jours. Les oiseaux sont nourris par qui? Par leur créateur. Il y a un créateur des oiseaux qu'on appelle Dieu. Et Dieu dit, moi, Dieu, je nourris les oiseaux que vous voyez là. Donc jamais quelqu'un allait travailler. Aucun oiseau n'allait travailler. Non. Ils font que se balader, puis siffler, nous réveiller le matin, faire du bruit le soir. Il dit, mais Dieu les nourrit. Il leur donne à manger. Si quelqu'un me suit, dit amen. Il dit, votre Père Céleste les nourrit. Regarde ce qu'il dit après. Ne valez-vous pas beaucoup plus que, autrement dit, n'êtes-vous pas conscient que votre valeur est plus élevée, beaucoup plus élevée que la valeur d'un oiseau? Qu'y a-t-il entre toi et un oiseau? Rien. C'est le jour et la nuit. Ta valeur à toi, être humain, est beaucoup plus élevée que la valeur d'un oiseau. Dieu, le Père, qui est juste, nourrit les oiseaux. Et toi, tu penses qu'il ne va pas te nourrir? Dis amen et je continue. Amen. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, la fleur des champs, après il te parle de l'exemple de la fleur des champs. Il dit, considérez le lit des champs. Il ne travaille pas, il ne tisse pas. Et pourtant, je vous le dis, même Salomon dans toute sa gloire. Salomon qui était majestueusement habillé. Et Salomon, pas blaguer avec lui. Hein.
Seulement avec des vêtements, mon frère. C'était la mode. Hein. Il était solennellement habillé. Et ses serviteurs étaient magnifiquement habillés. Salomon était un roi qui était connu pour être le roi de l'opulence. Il était magnifiquement habillé. Il dit, mais malgré ça, là, dans toute sa splendeur, là, dans toute sa gloire, son habillement n'égale pas l'habillement des fleurs des champs que Dieu donne aux, que Dieu donne aux fleurs. Toi, tu n'es pas une fleur. Ta valeur est la valeur d'une fleur. Qui a plus de valeur? L'être humain. Parce que l'être humain, c'est la création raffinée de Dieu. Si quelqu'un me suit, dit amen. Il dit maintenant au verset 30, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui sera jetée au four demain, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Autrement dit, vous qui avez une foi très petite. Jésus est en train d'indexer ceux qui l'écoutent. Il dit, regardez, Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Dieu habille les fleurs des champs. Est-ce que vous pensez que Dieu ne veut pas vous habiller, vous pour nourrir? Votre problème, dit Jésus, le Christ, c'est que votre foi, elle est petite. Quelqu'un dit amen. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Autrement dit, refusez de vous. Ta réponse la montre que tu t'inquiètes pour peu de choses. Refusez de vous inquiéter. Mon frère, si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu vas souffrir. Parce que Dieu ne changera pas pour toi. Dieu a donné sa parole, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne te demande pas quelque chose qui est impossible, il te dit refuse l'inquiétude. Il te dit refuse l'inquiétude. Pourquoi? Parce que la petite foi, la foi qui est petite, elle se manifeste justement par l'inquiétude. Comment tu reconnais que quelqu'un a une foi qui est petite? Par les inquiétudes qu'il a au quotidien. Il est constamment inquiet. Il se fait du souci pour des petites choses. Dieu a dit ce sont des petites choses. Lui dit ce sont des grandes choses. Mais je n'ai pas de vêtements. Je n'ai pas à manger. Je n'ai pas à boire. Je n'ai pas à payer mon loyer. Dieu dit ce sont des petites choses. On appelle ça les besoins de base. Et quelqu'un qui a une petite foi s'occupe des besoins de base. C'est-à-dire la plupart des croyants. Déjà les mondains, celui qui n'est pas né de nouveau, c'est normal. Mais celui qui est enfant de Dieu, il dit votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Oh! Refusez donc de vous inquiéter. Regarde ce qu'il dit. Hein. Rejetez les pensées d'inquiétude. Refuse les soucis. Tu dis, je refuse de m'inquiéter pour cette situation. C'est ça qu'il est en train de dire. Si quelqu'un me suit, dit amen. Fais attention. Hein. Il dit bien, parle. Dis, je refuse de m'inquiéter. Dans mon cœur, je dis, je refuse de m'inquiéter. De toute manière, mon inquiétude ne changera rien. Il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il n'a pas dit, inquiétez-vous de tous vos soucis. Il a dit, prenez vos soucis, déchargez-les sur Jésus-Christ. Déchargez-vous. Prends les soucis, décharge-toi. Il n'a pas dit, va demander de l'aide. Il a dit, décharge-toi sur Jésus de tous soucis. Décharge. Obéis à la parole. Toute instruction que tu entends, à laquelle tu n'obéis pas, tu viens de la déshonorer. Et tu subiras les conséquences. Que tu sois bishop, archibishop ou frère, mon frère, ça ne change rien. Dieu parle, tu obéis à la parole. Quelqu'un dit amen et je continue. Il dit, ne vous inquiétez pas et ne dites pas. Dis avec moi, ne dites pas. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Verset 31. Dis avec moi, ne dites pas. Sous-entendu, faites attention à ton langage. Fais attention à ce que tu dis. Ne dis pas. Oh, je ne sais pas comment. Ne dis pas. Ne dis pas. Refuse de t'inquiéter. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ils sont affermis, je suis affermi pour toujours. Ne dites pas. Oh, mais ça ne va pas. Ne dites pas. Fais attention à tes paroles. Parce que par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ta langue te tue. Tu vas prier. Quand tu finis de prier, tu vas maintenant parler des paroles négatives. Oh, mais je vais faire quoi? Je vais payer comment le loyer? Ne parle pas comme ça. Refuse de t'inquiéter. S'il te dit ça, ça veut dire que tu sais que tu peux. Il sait que tu peux le faire. Comment?
en t'appuyant sur sa parole. Tu dis, Seigneur, tu as dit que je refuse de m'inquiéter. Alors je déclare dans le nom de Jésus-Christ, je refuse de m'inquiéter de ce que je mangerai. Je me refuse de me soucier de mes études. Je refuse de savoir que... Je refuse. Quand tu commences à dire ce genre de choses, je refuse, je rejette. Tu es en train de quitter la sphère de la petite foi pour entrer petit à petit dans ce qu'on appelle la grande foi. Mais la plupart des croyants, excusez-moi, travaillent dans la petite foi, en train de s'inquiéter pour toutes sortes de problèmes. Et à la fin, ça n'a pas changé et ça ne changera pas. Dieu est fidèle, il veille sur sa parole. Et en plus, en parenthèse, quand tu t'inquiètes comme ça, là, ça veut dire quoi? Il te dit ici, si, ça veut dire que tu n'es même pas conscient de la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Mais quel est ce père? Quel est ce père qui possède toute la richesse du monde? Qui a un enfant qui va dire à son enfant, tu vas crever, tu vas voir. Non, mais quel est ce père là? Ça, c'est un sorcier. Le père de gloire, le père d'amour, il a tout donné pour toi. Il a sacrifié Jésus pour toi. Et maintenant, tout ce que ce père l'a dit, ton problème, ce n'est pas un problème de loyer, pas un problème de vêtements, pas un problème de nourriture. Ton problème, c'est un problème de foi. Tu t'inquiètes pourquoi? Tu laisses les soucis te remplir pourquoi? N'oublie jamais, les soucis viennent toujours par les pensées. Ça commence par une pensée, puis tu commences. Parfois, tu commences à parler, puis ta tête commence à se pencher tellement mawaba problème. Refuse! Tu es en train d'être bombardé par l'ennemi, bombardé. Tout le monde peut s'inquiéter. Tout le monde peut être assailli par les pensées. Tout le monde ne dit pas oui aux mauvaises pensées. Je refuse les pensées d'inquiétude. Je les condamne, je les rejette. Ces pensées qui viennent, je les refuse, je les bloque. Et attention, il dit parce que quand tu penses, tu parles. Refuse de parler un langage mauvais, un langage négatif. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Amen. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtis. Parce que toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu qui les cherchent. Ils cherchent quoi les païens? Ils cherchent à manger, ils cherchent à boire, ils cherchent à se vêtir, ils cherchent à mettre des vêtements, ils cherchent toutes sortes de choses. Ils disent ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Il sait que les corbeaux en ont besoin. Il donne aux oiseaux leurs vêtements, leur nourriture. Il sait que les plantes ont besoin d'être habillées. Il donne aux plantes leur habillement. Il le fera pour toi aussi et pour tes enfants. Le problème, ce qui l'empêche d'agir, c'est ta foi qui est trop petite. Quand Dieu voit quelqu'un qui s'inquiète alors qu'il est là, je m'inquiète, tu manges même tes ongles, tu t'inquiètes. Tu es en train de le déshonorer. Tu es en train de dire à Dieu, tu n'es pas capable de m'aider. Il dit, je sais que tu en as besoin. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit? Les amis, ce n'est pas toi qui as créé la terre, c'est Dieu qui l'a créée. Il sait comment elle fonctionne. Il te donne tes instructions. Refuse de t'inquiéter. Quelqu'un dit Amen et je continue. Votre Père sait que vous en avez besoin. Et il nous donne le remède qu'il nous a appris. C'est chercher premièrement le règne de Dieu et la justice de Dieu. Et tout ce que vous cherchez vous sera donné par-dessus tout. C'est ça. Donc, Dieu donne une instruction qui est un secret très puissant. Il dit, veux-tu avoir tout dans la vie? Ne cherche pas les choses, cherche le règne de Dieu. Cherche à comprendre la justice de Dieu. Bon, dis-moi, est-ce que toi tu cherches l'expansion du règne? Est-ce que tu as consacré ta vie à étendre le règne de Dieu? Est-ce que ta vie est orientée sur les intérêts de Dieu? Est-ce que tu cherches à faire plaisir au cœur de Dieu? Est-ce que tu cherches à connaître Dieu? Est-ce que tu cherches à servir Dieu? Tout le monde est sauvé pour servir Dieu. Est-ce que tu sers les intérêts du royaume? Comment on sert les intérêts du royaume? On les sert d'abord dans la prière. Est-ce que tu as appris maintenant, petit à petit, à prier pour les autres? À prier pour l'expansion du royaume? Que le règne de Dieu s'étende? Est-ce que tu as appris à prier? Est-ce que tu as appris à prier au moins une heure? Toi qui me dis, je travaille le matin jusqu'au soir, je n'ai pas le temps. D'accord, avant d'aller au travail, il y a 24 heures dans une journée. Est-ce que tu pries au moins une heure par jour? Pas pour toi, mais pour que le règne de Dieu avance. Que le règne de Dieu se propage. Que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient établies dans la foi. Les âmes qui viennent le dimanche. Il y en a que les Satan volent. Normal, c'est son travail. C'est un voleur. Mais il peut être stoppé par la puissance de ton intercession. Par la puissance de ta prière. Est-ce que tu prends le temps avant d'aller au travail ou au retour du travail ou même pendant le travail? Si tu n'aimes pas à midi en prière, mais est-ce qu'au moins tu prends le temps de prier? 24 heures passent. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, six jours, sept jours. Une semaine est passée. Même pas une heure par jour. Ah, vous dites, Seigneur, je t'aime. Ah bon? Ça, c'est servir Dieu. Cherchez d'abord les intérêts du royaume de Dieu. Cherchez la justice de Dieu.
est-ce que tu as compris c'est quoi la justice de Dieu? Non. Mais s'il lui dit de chercher, premièrement, ça veut dire faut comprendre. S'il te dit cherche, mon ami, il faut chercher. On te dit cherche parce que cherche là-bas. Et quand tu as trouvé le trésor des trésors, la clé des clés, et toi tu ne cherches pas. Mets ta vie au service du royaume. Sers les intérêts du royaume. Comment? Sers-les dans la prière. Il faut que le ciel entende ta voix chaque jour. Le ciel doit entendre que toi, tu es devenu un gagneur d'âme d'abord dans la prière. Le ciel doit entendre que tu es devenu un témoin de Christ d'abord dans la prière. Mais tu me regardes là. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que le ciel peut compter sur toi? Seigneur, donne-moi. Mais est-ce que toi, tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que toi, tu fais pour Dieu, le royaume? Il y a tellement d'âmes qui se meurent, qui se perdent chaque jour. Toi, tu es indifférent. Tu étais où hier? Samedi, tu étais où? Après-midi, tu étais où? Hier soir, tu étais où? Tu faisais quoi? J'allais visiter des copines. Est-ce que tu as pensé à témoigner Christ? Tu as pensé à parler de Jésus à quelqu'un? Tu as pensé à inviter quelqu'un à l'église aujourd'hui? Tu as pensé à gagner une âme? Tu as pensé à prier pour le culte d'aujourd'hui? Tu as pensé ou tu n'as pas pensé? Les bêtes ne me répondent surtout pas. Ouais, je sers Dieu. Mon ami, Jésus, toute la journée, il se concentrait sur les intérêts du Père. On peut avoir un travail là où on travaille, mais constamment avoir son esprit dans le royaume de Dieu pour faire avancer la cause du royaume, la cause de l'évangile. On prie pour les gens, on prie pour les âmes, on prie pour que les malades soient guéris, on prie pour que les âmes sauvées soient établies dans la foi. On prie pour qu'aucune âme ne s'égare. On est en train de porter les fardeaux de Dieu. Et puis après, on sort, on témoigne. Au bureau, on témoigne. En rentrant à pied, quand tu marches, témoigne. Dans le bus, témoigne. Dès que tu as une occasion, témoigne. Parle de Jésus. Invite-le. Pas dis quelque... Lance quelque chose. Dis quelque chose. Mais quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Mais c'est ça. Tout ça là, tu ne veux pas le faire. Il y en a qui m'ont dit non, je suis trop busy. Tu sers Dieu dans la prière. Tu sers Dieu par témoignage. Par gagner des âmes. Évangéliser. Va dans les hôpitaux quand tu peux. Promène-toi. Prie pour les malades. Exhorte les malades. Va partout. Annoncer la bonne nouvelle. Les gens sont en train de périr, frère. Les gens meurent. Jour après jour, les gens meurent par milliers. Et toi, tu es sauvé. Tu fais quoi? Maman, tu fais quoi de ton salut? Jeune homme, tu fais quoi? Et puis après, servir Dieu, c'est donner. Pour soutenir ceux qui partent. Il y en a qui le font, c'est des missionnaires. Mais il faut donner pour les soutenir. Il faut donner. Toi, tu as l'argent, tu ne donnes rien. Tout ce que tu fais, c'est construire ta grande maison. Même quand on dit pilier du royaume. Ah, pasteur, j'ai d'abord ma maison à construire. Misérable. Misérable. Non, je vous sens bien silencieux. Tu as raison de ne pas parler. Même ton mal n'a pas envie de l'écouter. Il faut réfléchir. Cherchez d'abord les intérêts du royaume. Ne vous inquiétez pas, mais cherchez-le. Il nous donne la clé. Le secret, c'est éviter les inquiétudes, travailler pour le royaume de Dieu. Dieu soutient toujours ceux qui portent ses fardeaux, toujours. D'une manière ou d'une autre, toujours. Et tu as beau entendre ça là, mais tu ne mets pas tout ton cœur. Il ne faut pas venir à midi en prière. Il faut venir à midi en prière pour participer. Pas pour s'asseoir et être là autour de regarder. Non, on vient, on participe. On vient, on est engagé. On vient, on prie pour les autres. On le fait de tous nos cœurs. On met notre énergie. On est content de le faire. Quand on sert Dieu, la Bible dit, servez l'Éternel avec joie. Il ne faut pas venir pour dire, je suis venu. Il ne fallait pas venir. On vient et on sert Dieu avec joie. Avec ardeur. Avec zèle. Et on prie pour les autres. Par tes prières, les gens sont sauvés. Par nos saintes prières, les gens sont sauvés. Les gens, d'autres sont affermis. Si même toi tu es un peu affermi, quelqu'un a prié pour toi, prie pour les autres. Et donne pour soutenir la cause de l'évangile. Donne pour soutenir ceux qui travaillent pour l'évangile. Mais non, on ne les voit jamais. La Bible dit, nous comparaîtrons tous un jour devant le tribunal de Christ. Les gens partent, les gens meurent. J'ai perdu un très bon ami, il y a quelques jours. Très bon ami. J'étais dévasté. Parce que je lui parlais tout le temps du Seigneur. Il n'écoutait pas. Il avait fait d'autres choix. J'étais brisé. J'ai dit, mais il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas quand même. Là-bas où? Mais dans le royaume des morts. Je connais la parole. Il faut connaître la parole. Il ne faut pas dire la religion. Il faut donner la parole. Oui. J'étais brisé.
J'ai dit, mais Seigneur, je me rends compte que chacun d'entre nous, on peut partir tout à l'heure, on peut partir demain matin, on peut partir, ne jamais se réveiller. Et tu traverseras le monde des esprits. Tu rentreras dans le monde des esprits. Tu quitteras le monde de la matière. Tu paraîtras de l'autre côté. Tous ceux qui sont nés en Christ vont partir. Mais s'ils ont servi les intérêts du royaume, ils auront leur récompense. Mais quelqu'un dit amen. Frère, qu'est-ce qu'il y a derrière la mort? Il y a quoi? Les incroyants ne le savent pas. Et les religieux ne savent pas. Ils disent que son âme repose en paix. C'est faux. Il n'y a pas d'âme qui repose en paix. Il est réservé à tout homme de mourir une fois après c'est le jugement. Les hommes doivent faire leur choix maintenant. Pendant qu'ils sont en vie, ils doivent faire leur choix maintenant. Vos histoires là de religion, ça ne marchera jamais, ce n'est pas dans la parole de Dieu. D'ailleurs, aucune personne n'a donné la certitude de ce qui se passe derrière le rideau de la mort, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. On l'appelle Jésus le Christ. La seule personne qui a révélé ce qu'il y a derrière la mort, le rideau là, c'est Jésus le Messie. Personne n'a donné ce qui se passe réellement derrière. Il nous a dit que quand il est ressuscité, celui qui maintenant meurt en lui ne mourra pas. Il montera directement. Celui qui est né en Christ, celui qui est né de nouveau, qui meurt dans le Seigneur, monte dans le paradis. Celui qui n'est pas né de nouveau, descend dans le royaume des morts et il est condamné dans le lieu de tourment. C'est clair. Ça fait mal, mais c'est clair. Ça, il y en a qui vont me dire, mais ça c'est votre interprétation. Mon ami, c'est les textes et les écritures, c'est clair. C'est clair. Maintenant, allez écouter ce que Confucius a dit, ce que Bouddha a dit, ce que Mohamed a dit, mon ami. Eux, ils ne sont pas revenus. Bakoufi. Ils sont morts. Celui qui parle, lui, il est revenu. Mais quelqu'un dit amen. Mais toi qui es né de nouveau. Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont dit, ah, je comprends maintenant pourquoi Moïse a dit dans le psaume 90, verset 12, je crois. Il dit, Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. Afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Afin que nos cœurs soient des cœurs sages. Il dit, apprends-nous à compter nos jours. Apprends-nous à compter nos jours, à numéroter nos jours. Autrement dit, apprends à maximiser chaque journée. Mais ça, c'est pour l'incroyant, pour qu'il soit sauvé. Mais une fois que toi, tu es sauvé, est-ce que tu as appris aussi à compter tes jours, à numéroter tes jours, à savoir que toi aussi, chaque jour qui passe te rapproche de ton départ, que toi aussi, tu partiras. Même si tu es sauvé, d'accord, mais tu rendras compte. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 21, au verset 14, je crois. Il dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Oui, c'est bon de mourir dans le Seigneur. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit amen. On meurt dans le Seigneur. On passe de l'autre côté. Mais il dit que les œuvres, leurs œuvres vont les suivre. Leurs travaux vont les suivre. Ils vont se reposer. Quand on meurt dans le Seigneur, on va dans le lieu de repos. C'est bien. Mais il y a quelque chose qui m'accompagne, ce sont mes œuvres. Quelle œuvre toi tu as montré au Père? Tu comparaîtras, tu montreras quoi? Quelle œuvre? Dis-moi, toi aujourd'hui, si tu meurs là, frère, tu as montré quoi? Comme une âme gagnée. Parce que lui, Dieu ne s'intéresse qu'aux âmes. Dieu ne s'intéresse pas à ton salaire de chef de service ou de PDG ou de ministre ou de conseiller ou d'assistant ou de gérant. On s'en moque, Dieu s'en moque. Dieu s'intéresse à qu'est-ce que tu as fait pour son royaume. Est-ce que le royaume pouvait dire que par ses prières, regarde, tous les jours, il priait pendant une heure. Regarde, quand il priait là-bas, telle personne était affermie, telle personne était libérée, telle personne était guérie, telle personne était sauvée, telle personne était établie dans la foi. Par les prières de ce petit jeune homme-là, il priait en langue. Oh Seigneur, sauve-les. Le ciel reconnaît que tes prières avaient marqué la vie de quelqu'un. Et le ciel reconnaît que toi, tu avais gagné au moins quelques âmes. Mais il y en a beaucoup d'entre nous ici-là. Nous ne sommes pas prêts pour le départ. Je vous le dis, nous ne sommes pas prêts pour le départ. Nous jouons avec la vie chrétienne. Vous oubliez qu'un jour, on va rendre compte à Dieu. Un jour, tu rencontreras ton Créateur. Quelle œuvre tu vas montrer? Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Ils se reposent de leurs travaux. Tu entends? Donc, pendant, donne-moi Apocalypse 21, 14. Pendant qu'ils étaient sur la terre, ils travaillaient. Pourquoi? Mais les intérêts du royaume de Dieu. C'était des ambassadeurs. Un ambassadeur ne travaille pas pour lui-même. Il travaille pour les intérêts de son pays. Tu as déjà vu toi un ambassadeur qui est nommé quelque part, maintenant il fait ce qu'il veut. Non, il est en mission diplomatique. Il doit représenter les intérêts de son pays, là où on l'a envoyé. Sinon c'est un faux ambassadeur, un paresseux. Ah ouais. Encaisse-moi la parole. Quelqu'un dit amen. Qu'est-ce que toi tu es en train de faire pour la cause du royaume? Les âmes se perdent autour de toi, dans ta famille, dans ta maison. Les gens sont perdus. Les gens que tu rencontres sont perdus. Qu'est-ce que toi tu fais? Apprends-moi à compter mes jours.
afin que mon cœur soit sage. Un cœur sage, c'est un cœur qui gagne les âmes. Un cœur sage, c'est un cœur qui aide les autres à s'affermir. La semaine s'est achevée. Combien de personnes tu as aidé à être établies dans la foi? Combien de gens tu as encouragé? N'abandonne pas la foi. Combien de gens tu as visité ou tu as exhorté au téléphone pour dire, tiens bon mon frère. Il y a des gens qui veulent lâcher. Ils ont juste besoin que quelqu'un les encourage. Est-ce que tu l'as fait toi cette semaine? La semaine s'est passée. La semaine d'avant. Est-ce que quelqu'un a pu être encouragé par toi? Est-ce que quelqu'un a été relevé par toi? Est-ce que quelqu'un a mieux connu Dieu à travers toi? Est-ce que quelqu'un a été enseigné à travers toi? Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Ils se reposent de leurs travaux. Donc, ils ont travaillé pour la cause de l'évangile, pour la cause de Christ. Ils ont servi Christ. Est-ce que tu sers Christ? Tu peux partir demain. Est-ce que tu es prêt à partir? J'étais à ICC. On s'en fout. ICC, ça change quoi? ICC, ça change quoi? Tu as travaillé pour Jésus-Christ, oui ou non? Frère, Dieu est un Dieu bon. Il est juste. Il donnera les récompenses à chacun en fonction du travail de chacun. Il dit, leurs œuvres vont les suivre. Il y a des œuvres qui doivent t'accompagner de l'autre côté. Est-ce que tu as des œuvres qui vont t'accompagner de l'autre côté? Réfléchis. Est-ce que tu peux les compter? Non, mais là, je fais un business là. Ce business, ça ne va pas t'accompagner. Pas du tout. Pas du tout. Oh, je viens d'avoir un bon salaire. Gloire à Dieu. C'est une grâce, mais ça ne va pas t'accompagner. C'est qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu as là qui peut t'accompagner? Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? L'église, on perd le temps. On perd le temps. Cherchez d'abord les intérêts du royaume. Un homme qui est en train de travailler, une femme qui est en train de travailler tous les jours, tu vis en pensant à l'éternité. Toi, tu ne peux pas t'inquiéter. Puisque quand tu t'inquiètes, ça veut dire que tu as oublié l'éternité. Les gens qui s'inquiètent tous les jours, là, ça veut dire que ta vie est devenue tellement terrestre. Tu es devenu tellement charnel que tout ce qui t'intéresse, c'est les choses de la terre. Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut. Toi, tu as oublié. Tu t'intéresses seulement que ma voiture, mes enfants, mon mariage. Dieu n'est pas contre le mariage. Ici, le mariage doit devenir pour toi une occasion de te détourner de l'essentiel. Tu n'auras pas de mariage. À quoi bon être marié si c'est pour se détourner de Dieu? Moi, je suis marié. Je suis attaché à Dieu comme pas possible. Pas parce que je suis pasteur. Ça ne veut rien dire. Si quelqu'un comprend, dit amen. Les amis, ne blaguons pas avec l'éternité. Chaque jour qui passe te rapproche de ton départ. Tu partiras. Et tu peux en partir demain. Mais quel est mon problème? Tu vas montrer quoi? C'est ça qui m'intéresse. Tu vas comparaître devant le tribunal. Avec quoi? Quelle âme pourra dire? Je atteste que par ses prières, j'ai été affermi. Par son témoignage, j'ai été encouragé. Par sa vie, ma vie a été étirée. Ma vie a été transformée. Qui pourra le dire à ton sujet? Qui? Combien de personnes? 10? Peut-être qu'il en fallait peut-être 50 pour toi. Peut-être 10 000. Et déjà, si tu te sous-estimes, par toi, tu veux gagner peut-être même 1 million d'âmes. Tu as encore une âme. Et tu es content. Dans le ciel, on verra les David Oyedepo, on verra les Renal Banquet, on verra les Billy Graham avec des millions d'âmes. Moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ah, moi aussi, on doit, comme moi, mon compteur doit augmenter. Ah non, mon compteur doit augmenter. Non. Parce que Karambiri me disait, Yves, chacun d'entre nous, son départ approche. En fait, chaque jour qui passe, c'est un jour de plus pour ton départ qui arrive. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Apprends-nous à bien compter nos jours afin que nos cœurs soient sages. Est-ce que ton cœur est un cœur sage? Que Dieu parle à ton cœur ce matin. Les gens qui se détournent de l'essentiel. En fait, ce que Jésus dit, les gens qui s'inquiètent pour ces choses basiques de la vie se sont détournés des choses de Dieu. Les intérêts de Dieu. Mais comme maintenant dans l'église, c'est devenu la mode. La bénédiction, amen. Les voyages, amen. Les voitures, amen. Ok, il faut continuer. Ça ne va pas te suivre, ce genre de choses-là. Ce qui va te suivre, c'est ce que tu auras fait pour que l'évangile avance. Daniel 12, verset 3. Quand il parle du temps de la résurrection de tout le monde, il parle de ceux qui auront cru. Il parle des croyants. Dans Daniel 12, verset 3, il dit, ceux qui auront été sages, ou intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel. Il dit, et ceux qui auront enseigné la justice à plusieurs, à la multitude, ils brilleront comme les étoiles à perpétuité.
ceux qui auront enseigné les autres à être justes, ceux qui auront aidé les gens à s'affermir, à mieux connaître Dieu, à s'affermir en Christ, à connaître Dieu, à plaire à Dieu, à marcher avec Dieu. Est-ce que toi, la semaine qui s'est achevée, tu as aidé au moins une personne, au moins deux, trois, quatre personnes à marcher avec Dieu, à mieux connaître Dieu? Est-ce que le ciel est passé par toi pour aider quelqu'un à s'attacher? C'est ça ma question. C'est ça ma préoccupation. Quand tu l'as fait, alors tu as enseigné la justice aux autres. Tu as appris aux autres à être juste, à marcher avec Dieu, à plaire à Dieu, à aimer Dieu. Si quelqu'un me suit, dit amen. Et si tu n'as rien fait de cela, mon ami, le temps passe. Le temps passe. Tu pourras partir demain. Qu'est-ce que tu dis en Christ? Heureux ceux qui meurent de le Seigneur. Oui, mais ils ont travaillé. Toi, tu as travaillé. Que Dieu fasse de toi un vrai travailleur du royaume. Que Dieu fasse de toi un vrai travailleur du royaume. Si tu ignores ce message, ignore-le. Je m'en moque complètement. Jésus parlait, il y en a qui écoutaient, il y en a qui croyaient, il y en a qui ne croyaient pas. Il dit, chaque homme rendra compte des choix, des décisions qu'il a prises. Chacun de nous, nous rendrons compte, frère. C'est-à-dire un jour, ça sera le temps du jugement, de l'évaluation. Qu'as-tu fait avec ce que je t'avais donné? Moi aussi, je peux dire, hein. Moi aussi, je peux dire aujourd'hui, hein. Oh non, mais j'ai des hautes fonctions, j'ai plus le temps de faire le travail de Dieu, je suis trop busy, Seigneur, je suis trop busy. Là, il faut m'enfermer encore, alors j'ai envie d'aller faire la fête avec tout le monde, j'ai envie. Mon ami, je rendrai compte à Dieu. Chacun de nous rendra compte à Dieu. Moi, je te parle ce matin, j'assume ma part de responsabilité. Si tu m'entends, tu m'entends. Tu m'ignores, tu m'ignores. Tu rendras compte à Dieu. Si bien sûr, tu es sauvé. Si quelqu'un me suit, dis amen. Le message de ce matin, Dieu nous dit, ceux qui ont petite foi là, ne peuvent pas faire beaucoup de grandes choses avec Dieu. Mais ils s'inquiètent pour les besoins de base alors que le Père peut pourvoir, veut pourvoir à ses besoins de base. Ce qui empêche Dieu d'agir, c'est le fait que nous nous sommes détournés de la parole et de la volonté du royaume de Dieu pour maintenant nous occuper des besoins de base. Je m'inquiète pour telle chose, mets Dieu à l'épreuve. Occupe-toi des intérêts de Dieu. Tu n'as pas de travail? Fais comme si tu avais un travail. C'est comme le travail. 8 heures par jour, prie pendant 8 heures par jour. Prie pas pour toi, prie pour le royaume de Dieu. Je te garantis, prie 8 heures par jour. Fais comme un bon travailleur, un bon fonctionnaire du royaume, un bon ambassadeur. Prie 8 heures par jour. Organise tes journées. Allez, tu pries de 6 heures à 9 heures. Après, 9 heures à 15 heures. Après, 18 heures. Prie! Je prie pour le Congo, que le Congo soit sauvé, que ton règne vienne au Congo, que la puissance du Saint-Esprit se soulève sur le Congo, se manifeste sur le Congo, qu'une grande grâce repose sur le Congo, que la parole se répande sur le Congo. Prie! Tu vas me dire, si on ne va pas taper, même les gens que tu ne connais pas vont venir te dire, monsieur, on vous donne un travail, un sur-travail, un travail à bon. On va te. Il a dit, toutes choses vous seront données par-dessus. Tu n'auras pas à poursuivre les choses comme tu le fais aujourd'hui, les choses vont te poursuivre. Tu n'as même pas à chercher la santé de tes enfants. La santé de tes enfants sera garantie. Ceux qui travaillent de tout leur cœur pour les intérêts du royaume de Dieu, le royaume les soutiendra. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Jésus qui a dit. La question, vas-tu faire confiance à Jésus qui a parlé? Ou bien tu vas dire, non, c'est trop beau pour être vrai. Tu le déshonores. Celui qui le déshonore, le déshonore. Celui qui l'honore, l'honore. Mais mon ami, fais attention. Si ta foi est trop petite, elle est trop orientée vers des inquiétudes. Les soucis. Que fera-t-on? Que mangera-t-on? Que dira-t-on? Ne parle pas comme ça et refuse ces choses. Quand tu dis je refuse de m'inquiéter, je rejette toutes les formes d'inquiétude. Je ne veux pas et je n'accepte pas l'inquiétude. Et je commence à bénir Dieu. Seigneur, ce problème-là, je te le confie. Ça revient le mardi, je te le confie encore le mardi. Je te le confie encore le mercredi. Moi, Seigneur, j'ai du travail, c'est dans tes intérêts. Ton royaume doit avancer, ton règne doit se propager. Ça, c'est ma priorité. Le Père te regarde, le Père te regarde, le Père te visitera. C'est ça. Et toi, tu ne veux pas entendre ça, tu veux seulement entendre les bénédictions. Eh bien, écoute, aujourd'hui, tu es mal barré. Quelqu'un me dit, aïe. Qu'est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur et ils se reposeront de leurs travaux. Il y a des travaux que tu dois présenter. Mon frère, incline la tête. À partir d'aujourd'hui, justement au premier point, la petite foi qui se manifeste par les inquiétudes du quotidien. Refuse les inquiétudes du quotidien.
Quels sont tes problèmes? Quels sont tes soucis? Quels sont ces ennuis que tu as? Est-ce que tu veux mettre toute ton attention sur les soucis ou bien tu veux mettre ton attention sur le royaume de Dieu? Est-ce que tu vas continuer à t'occuper des soucis, des inquiétudes du quotidien que tu ne pourras pas changer ou bien tu vas commencer à mettre ton attention sur le royaume? Mon frère, Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'interpelle ce matin. Il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Seigneur, ce matin, nous voici devant toi. Seigneur et Père, regarde-nous et compassionne-nous. Nous faisons tellement de choses sur la terre. Nous nous inquiétons pour tellement de choses, alors que l'essentiel est dans les choses de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans l'expansion du royaume. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Pour les cœurs qui peuvent encore recevoir ta parole, parle à nos cœurs. Pour les cœurs qui sont indifférents à ta parole, Seigneur, parle-le. Parle, fais grâce. Parce que tôt ou tard, nous comparaîtrons devant Dieu. Nous traverserons la barrière de la mort. Le rideau de la mort, chacun d'entre nous va le traverser. Et nous irons soit dans le ciel, soit dans le séjour des morts. Mais qu'est-ce que nous allons présenter à Dieu si nous sommes sauvés? Qu'est-ce que nous allons présenter comme travail, comme œuvre? Qu'allons-nous montrer à Dieu? Beaucoup d'entre nous, nous nous soucions pour les besoins de la vie de tous les jours. Alors que toi, tu veux que nous nous soucions seulement des intérêts du royaume. Et si nous le faisons, si nous mettons nos soucis pour les intérêts du royaume, si nos soucis concernent l'expansion du règne de Dieu, la volonté de Dieu sur la terre, l'expansion de la famille de Dieu, l'agrandissement de la famille de Dieu, si nous nous soucions pour le salut des âmes, pour le financement de l'évangélisation, si nous nous soucions des intérêts du royaume, toi tu te soucieras de nos problèmes, mais nous, nous nous sommes détournés de toutes ces choses. Seigneur et Père, nous nous repentons, nous sommes devant toi. Pardonne nos fautes et notre folie et notre égarement dans le nom de Jésus le Christ. Seigneur, je plaide les mérites du sang de Jésus sur la vie de toute personne qui entend et qui reçoit ce message. Ceux qui l'ignorent, qu'ils l'ignorent. Ceux qui l'acceptent, qu'ils acceptent. Je plaide le sang de Jésus-Christ, le sang qui a été coulé pour établir la justice de Dieu sur la terre. Toi, tu es un Dieu juste et tu es tellement juste que tu as dû sacrifier ton Fils unique pour que nous tous nous soyons sauvés. Tu ne veux pas que les âmes meurent, qu'elles se perdent, mais tu veux que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils soient sauvés. Accorde-nous la grâce d'être ces instruments du salut de Dieu. Ces instruments par lesquels nos familles seront sauvées. Notre pays sera sauvé. Notre région sera sauvée. Notre continent sera sauvé. Des multitudes seront sauvées et établies dans la foi. Accorde-nous la grâce de comprendre l'essentiel. Père, je te prie pour mon frère et ma sœur, spécialement pour aujourd'hui, afin que ta grâce vraiment, la grâce d'un changement radical de comportement, de pensée, nous soit accordée. Afin que nos priorités soient redéfinies. Tu as dit chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Accorde-nous la grâce de mettre nos priorités sur le royaume de Dieu, sur la volonté de Dieu, sur ce qui est juste aux yeux de Dieu, sur l'agrandissement de la famille de Dieu. Seigneur et Père, sur ta volonté pour nos vies, pour l'Église, pour notre nation et pour le monde en général. Nous te rendons grâce et nous te rendons gloire parce que tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Nous savons qu'il y a quelqu'un qui a compris et qui est reconnaissant. Accorde à cette personne la grâce de changer, de refuser toute forme d'inquiétude et de s'établir et de faire plutôt des intérêts du royaume ses préoccupations, ses soucis de tous les jours. Aimer Dieu doit être notre priorité. Plaire à Dieu, agrandir la famille de Dieu, voir la volonté de Dieu être accomplie, établie sur le Congo, doit être notre souci quotidien, notre priorité quotidienne. Voir l'évangile avancer, voir les âmes être sauvées, doit être notre priorité au quotidien. Merci Père de ce que tu nous accordes cette grâce, la grâce de travailler et de servir les intérêts du royaume de Dieu. Ces œuvres qui vont nous accompagner lorsque nous traverserons le couloir, la porte, le rideau de l'autre côté. Ces œuvres vont nous suivre. Béni sois-tu de ce que tu as parlé au cœur de quelqu'un ce matin. À toi l'honneur, la louange et la gloire dans le nom de Jésus le Christ. Merci de ce que tu nous accordes la grâce de compter nos jours, de compter nos jours et d'appliquer nos cœurs à la sagesse, de chercher la sagesse dans nos cœurs. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange, à toi nos actions de grâce. Dans le nom de Jésus le Christ. Quelqu'un dit Amen. Oui,
Ce n'est pas le genre de message qui va te faire sauter au plafond, c'est vrai. Mais c'est le genre de piqûre qu'il te faut. Parce que la vie est beaucoup trop sérieuse pour rigoler tous les jours. La vie est beaucoup trop importante. Et nous tous là, nous ne serons pas là dans quelques temps. C'est une question de temps seulement. Regarde-moi mon frère, tu comparaîtras. Regarde-moi ma soeur, tu comparaîtras. Et là, nous ne serons pas là avec toi. Ça sera chacun seul. On a dans l'église ensemble, mais devant Dieu, on comparaît personnellement. Chacun aura à rendre compte pour lui-même. Que Dieu t'accorde cette grâce d'avoir des bons comptes à rendre. Que Dieu t'accorde la grâce d'avoir des bonnes œuvres à présenter. Que Dieu t'accorde la grâce d'avoir des bonnes œuvres pour sa gloire à présenter. Si tu as reçu quelque chose, lève ta main et rends grâce à Dieu pour la parole qu'il t'a donnée ce matin. Rends grâce à Dieu pour la parole qu'il t'a donnée ce matin. Que ce dépôt reste dans ton cœur. Que le diable ne vienne pas voler cette parole encore cette semaine. Que tu gardes le dépôt. Que tu gardes le dépôt dans le nom de Jésus-Christ. Que tu gardes le dépôt. Le dépôt divin. Que ce qui t'a été accordé de recevoir aujourd'hui soit reste dans ton cœur dans le nom de Jésus le Christ. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Nous scellons cette parole dans le sang de Jésus-Christ. Dans le sang de Jésus, l'ennemi ne volera pas la parole que nous avons reçue ce matin. Tu réveilles l'esprit de quelqu'un ce matin. Tu ranimes la foi de quelqu'un ce matin. Et tu redéfinis les priorités de quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus. Non pas vers les soucis de base de la vie, mais vers les intérêts du royaume de Dieu. C'est ça notre préoccupation. C'est ça qui doit devenir notre priorité. À Jésus-Christ soit la gloire, l'honneur et le pouvoir. À Dieu, seul sage par Jésus-Christ, soit l'adoration et nos actions de grâce. Toute gloire. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton aide et ta capacité. Merci pour ton ministère. Merci, Père, dans le nom de Jésus le Christ. Celui qui a reçu, qui a rendu grâce, dit Amen.